Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouveau test de jeu rétro et cette fois-ci on va s'intéresser encore une fois à un jeu tiré d'une d'une console portable, à savoir la Game Boy Color. D'ailleurs ça fait un petit moment que j'ai pas testé de jeu sur Game Boy Color. La dernière fois que j'en ai testé un, c'était lequel déjà? Merde, je me souviens plus. Bon, peu importe. Alors, cette fois-ci, on va s'intéresser tout de suite à du grand classique du style Mario Kart, mais avec des voitures de course normales, à savoir Mickey Speedway USA. Voilà, un jeu mettant en scène l'univers de Mickey et sur des jeux de course. Voilà, donc vous avez toutes sortes de personnages. Vous allez retrouver le roster habituel, à savoir Mickey, Donald, Minnie, Dingo, Patibulaire, Daisy, et c'est tout. Voilà. Ah, et pour l'instant, là, on commence déjà super mal, parce que déjà, quand vous voyez dans l'écran du jeu, plutôt, le chien de Mickey s'est fait enlever par des, par des fouines, et son but est de participer à une course d'automobile pour récupérer son clébard, avant qu'il ne soit trop tard. Oh, c'est terrible! Ah, je veux de bois! Oh, non! Les fouilles, j'adore la réaction, des personnages. Mais on dirait qu'ils sont complètement sous acide. Oh putain, quelque chose me dit qu'on va bien s'amuser. On va bien s'amuser. Bon, allez. Donc, on a commencé par prendre Mickey. Ah oui, et ce jeu a été édité par Disney Interactive et Rareware. Bon, par contre, je me souviens plus du tout à quel moment il est sorti ce jeu. Je crois que c'est aux alentours au tout début des années 2000, je crois. Il me semble, hein. Bon, là, pour l'instant, je vais vous le dire, c'est littéralement du Mario Kart, mais avec des voitures de course de type Toto, voilà. Donc, vous l'aurez... Oh, ah, mais oula, attends, merde, d'accord. Ok, d'accord. En fait, je croyais qu'on continuait à rouler, mais non, en fait, il faut tourner. Mais ce jeu c'est littéralement un mauvais sosie de Mario Kart, franchement. Et c'est fou à quel point les jeux de la licence Mario Kart a inspiré toutes les autres franchises, que ce soit Warner, Disney, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ah oui, Cartoon Network, Shrek, même l'Inspecteur Gadget avait eu son propre jeu de voiture de course. Non mais tout pour t'accroire que, Mario Kart a été une source d'inspiration, hein. Bon, allez, c'est parti, donc on contrôle Mickey, qui est en quatrième position et qui m'a l'air de peiner, et limite de galérer comme c'est pas permis. Je sais pas pourquoi j'ai appuyé sur pause, mais bon, peu importe. Allez, on continue, Bon, à la limite, si vous trouvez le jeu pas terrible, c'est pas grave. Et pour vous dire la vérité, moi non plus, je ne trouve pas ce jeu terrible. Hein, et en plus, j'ai jamais été un grand fan de Disney, hein. Et qui plus est, j'ai jamais aimé Disney en plus, hein. Bon, allez, on continue. Bon, sinon, mis à part ça, les graphismes sont pas terribles, ça va. Je sais que c'est de la Game Boy Color, mais bon, c'est pas aussi faramineux que ça en a l'air. Voilà, on retrouve le même annexe que l'on retrouve dans Mario Kart. On prend des objets, on doit les utiliser pour saboter et limite faire galérer nos concurrents. Et alors, je sais pas où ils sont. Bref, le jeu, franchement, il est bien, mais c'est comme je viens de vous dire, c'est vraiment un Mario Kart, mais en moins bien, quoi. À côté de ça, Mario Kart, c'est du chef-d'œuvre, hein. C'est du chef-d'œuvre. Voilà. Ah, c'est terminé. Bon, ok, bah la première qui est arrivée, c'est Minnie. Et ben, j'ai Minnie, celui le deuxième, c'est Dingo. Et le troisième, Patibulaire. Voilà. Et nous, on est bon dernier avec 4 points. Voilà. Bon, ok, c'était de la merde. Maintenant, on va s'intéresser tout de suite au niveau suivant. Espérons que j'aurai un petit peu plus de chance. Allez, mesdames et messieurs, allez, c'est parti pour le début de la course. Voilà, pour l'instant, là, on arrive. Wow, super, magnifique saut surchassé de Mickey et de Dingo qui évite le précipice. Et là, on invite. Est-ce que Mickey Mouse va réussir à dépasser Dingo? J'en ai pas la pression, enfin, encore faut-il qu'il arrive. Oh là là, oh là, le pauvre de Mickey, mais il y a une chose qui est assez, assez chiantasse, limite emmerdant dans ce jeu, ça fut à quel point on n'arrive pas très bien à diriger la bagnole. Hein, non mais sans déconner, on n'arrive pas très bien à diriger la bagnole. On a l'impression que les contrôles de ce jeu sont, pas contrôlables, mais moyennement contrôlables. Hein, on a l'impression de conduire bourré, quoi. Ouais, oh là là, mais fais attention, Mickey, oh là là. Mais le pauvre Mickey, on a l'impression qu'il est gavé dans ce jeu. Hein, oh, pourquoi j'ai participé à cette course de merde? Oh, oh, je veux rentrer chez moi. Oh, 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 oh. Oui, j'ai mis très mal Mickey, je suis désolé. Allez, on continue. Allez, allez. Oh, t'es attention. Virage. Oui, les virages sont omniprésents dans ce jeu. Hein. Ah. Voilà. Et je suis toujours quatrième. Voilà. Non mais franchement, le jeu est pas terrible. Franchement, un jeu pas terrible. C'est comme avec le jeu de course avec Shrek que j'ai trouvé mais nul, mais limite pas terrible. Bref, il était bien, mais c'est vraiment sans trop de plus, quoi. Allez, voilà, allez, on continue. Voilà, merde, putain de virage. Oui, oui, attention au virage, essayez de bien contrôler la bagnole. Enfin, votre bagnole. Oui, quand j'ai... Ah bah c'était... Bon, bah c'est Mini qui est toujours à la première, suivi de Petit Belair, troisième Dingo et quatrième Mickey. Très bien. Bon, allez, on va essayer... On va essayer de voir si on peut faire un autre, un autre circuit. Parce qu'on est parti dans le circuit de Yosemite. Ouais, Yosemite, ouais. On fait également pour, ah oui, faire une dédicace à tous les habitants de la contrée de Yosemite. Allez, c'est parti, mesdames et messieurs, pour ce début de course. Et là, pour l'instant, là, c'est Mickey qui galère comme un chien, on va dire. Et qui galère, mais vraiment comme un chien, parce qu'il contrôle très mal sa bagnole, qu'il n'arrive pas, qu'il se cogne partout. Ça, mais... non mais c'est du grand délire, ce jeu, mais bon. Ouais, c'est bien, mais bon, ça vaut pas mieux. Comme je viens de vous le dire, ça vaut pas mieux Mario Kart, hein, franchement. D'ailleurs, il y a d'autres, licences qui ont, eu droit à leur propre jeu de voitures de course. Je me souviens, j'avais déjà testé un avec Crash Bandicoot, qui était vraiment bien, je vais pas vous mentir. Et je crois que, si je me souviens bien, il y en a un avec les Schtroumpfs. Sur PlayStation 1, j'essaierai de voir si je peux le tester, celui-là. Enfin, encore faut-il que ça vous intéresse et que vous soyez un fan des Schtroumpfs. Hein. Et aussi un avec Lego, hein. Allez, allez, oh, c'est pas vrai, oh là là. Et une fois de plus, je vais encore galérer comme un chien. Ah, c'est là, ça y est, c'est. Je suis troisième, Ah, je suis devenu quatrième. Oh là là, mais attention, Mickey, roule bien aussi, hein. Et donne-toi à fond. Putain, je peux pas à la fois accélérer et éviter les virages, moi. Oh là là, putain. Ah, vas-y, allez. Courage, courage. Après, le prochain tour, c'est certainement le dernier. Ah bah c'était le dernier. Bon, ah bah super, c'est Patibulaire qui a gagné la course. Bon bah GG à lui, franchement, il méritait vraiment la victoire. Et je suis désolé, franchement les gens, je suis désolé. J'essaie tant bien que mal de manœuvrer ce jeu. Ah, Getting France San Francisco. Oh super, maintenant on va atterrir directement dans la bonne ville de San Francisco, en Californie. J'en profite également pour faire une dédicace à tous mes fans de la ville de San Francisco et à tout l'ensemble de l'état de Californie. Attention! Allez, oh mais attention, attention Mickey, essaye de rouler tout doucement, franchement c'est pas très prudent ce que tu fais là, hein? Bon, allez, encore un petit... C'est pas grave. Bon, si vous trouvez ce jeu mais vraiment pas terrible, comme je viens de vous le dire, moi aussi, voilà, moi aussi, hein. Je le testerai une fois et c'est tout. Voilà, je ne ferai pas d'autres tests sur ce jeu, étant donné qu'il n'est pas terrible. Voilà, oui, on continue à rouler. Non, mais pas comme ça. Oh là là, il me construit. Couillard, ce jeu, mais c'est vraiment un immense doigt dans le cul, c'est pas croyable ça. Et putain, regardez-moi ces virages de pute. Oh là là. Voilà. Attention au tramway, mais putain, oh là là, c'est... Oh là là, et que c'est pas les trucs... Ouais, c'est des espèces de cônes, là, putain, des... oh là là... Ok, ok, d'accord, je regrette d'avoir pas pu me donner à fond, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé... Franchement, mais le jeu, franchement, je le trouve pas drôle. Ah là là là, quel dommage, quel dommage. Mickey a abandonné. Ah, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, je comptais m'arrêter là parce que franchement, le jeu était totalement, mais... vraiment pas terrible. Franchement, il est vraiment pas terrible. Ah, le jeu est sorti en 2001. Ah, bah j'étais pas loin. Voilà donc, mesdames et messieurs, je propose donc qu'on s'arrête ici. C'était donc Mickey's Speedway USA, sorti aux alentours de l'année 2021. D'ailleurs, c'est marqué sur l'écran et édité par Disney, licence Nintendo et Disney Interactive et Rareware, sur Game Boy Color. Un jeu de voiture de course mettant en scène l'univers de Disney, mais... pourrave. Franchement, le jeu est tellement chiant, nul et pourrave. Franchement, c'est... Bref, c'est pas terrible. Franchement, le jeu, je trouve ce jeu pas terrible. Franchement, je vais pas vous mentir. Comme je vous ai dit, en plus, je suis pas un fan de Disney. Et en plus, ça me donne vraiment pas envie d'apprécier Disney. Bon, c'est pas grave. Bon, moi, j'aurais donné le meilleur de moi-même. Enfin, ce jeu est à conseiller aux fans de la franchise. Hein, de la franchise Disney, bien évidemment. Hein. Voilà donc, mesdames et messieurs, je propose qu'on s'arrête ici. Si cette vidéo vous a plu, suivez comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut!